أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. On continue notre aventure avec cette fois-ci vous allez voir l'entrée en scène d'un nouveau personnage dans la Fatiha. Eh bien c'est toi, c'est moi. C'est toi et c'est moi. Quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons la protection. Regardez comment est construite la Fatiha. Au début, Allah Azza wa Jal nous présente qui il est. Et pour comprendre qui il est, on doit comprendre le nom d'Allah, Al-Hamid, celui qui est digne de louange, puisqu'on commence par Al-Hamdou. On doit comprendre le nom d'Allah Azza wa Jal, Allah, le seul auquel on va donner l'adoration. On doit comprendre le nom d'Allah, Rabb, le Seigneur de toutes choses, le Créateur et tout ce qu'on a vu. Ensuite, on a vu Ar-Rahman, celui dont la miséricorde parfaite englobe toute chose. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Malik Yawmiddin, celui qui possède. À travers ces noms-là, tu as la connaissance de qui est Allah Azza wa Jal. Maintenant que tu le connais, tu peux commencer à l'adorer. Tu vois, ça nous enseigne une chose, ce n'est pas simplement bin niyya. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai un cœur blanc, donc quand je fais, tout va bien. » Il y a du ilm, al-ilmu qabla al-amali, la science avant l'action. Avant même de déclarer notre adoration et l'amour d'Allah qu'on lui porte par l'adoration, parce que c'est par l'adoration qu'on déclare notre amour à Allah Azza wa Jal, pas simplement avec la langue et des prétentions, mais par la réalité de nos adorations et de notre piété, incha'Allahu ta'ala. Une fois qu'on a connu Allah, et c'est coranique, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». C'est bon ? Donc là, on est rentré en jeu maintenant. C'est quoi ton rôle, Akhil Karim ? T'as appris à connaître qui est Allah ? Mais toi, tu es qui ? Eh bien, toi, tu es celui qui a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Et tu es celui qui a été créé pour reconnaître son impuissance et qui est obligé de revenir vers Allah pour trouver la protection. Billahi alaykoum, est-ce possible d'être orgueilleux après cela? Billahi alaykoum, est-ce possible d'oublier Allah Azza wa Jal après cela? Minimum 17 fois par jour, on répète surat al-Fatiha. C'est pas extraordinaire ça? De l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage. Iyaka, c'est toi seul, c'est l'exclusivité. Na'boudou. Nous adorons. El-ibada, abada, ça veut dire aplatir. El-ibada, c'est quand ta nefs, ton âme bestiale et mon âme bestiale, notamment, s'aplatit pour rentrer dans une voie. La voie qui a été laissée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sirat al-mustaqim, abada. Tu t'aplatis devant ton Seigneur et il n'y aura pas un moment durant lequel tu seras plus élevé que lorsque tu seras prosterné. C'est paradoxal. Quand ton corps se prosterne, c'est là où ton âme s'élève le plus. D'accord ? Iyaka na'boudou, toi seul, du matin au soir, à l'intérieur, dans l'apparence, dans mes paroles, dans mes pensées, je te mets toi, ya Allah, au centre de mon existence. Iyaka na'boudou. Je t'adore. Et dans l'adoration, maintenant, on va faire une précision. Parce que iyaka nasta'in, c'est auprès de toi seul que nous cherchons la protection, ça fait partie de l'adoration. Mais Allah précise. Pourtant, il aurait pu se contenter, entre parenthèses, de « Iyaka na'budu », c'est toi seul que nous adorons. Non, c'est toi seul que nous adorons. Et de façon plus précise, c'est auprès de toi seul que nous cherchons refuge, et ceci est aussi une adoration. Ça nous enseigne quoi? Montrer sa faiblesse à Allah, la reconnaître, et se tourner vers lui pour obtenir ses faveurs, c'est une adoration. Et ça, ce verset, c'est le sens de nos vies, parce que c'est le sens du tawhid. Et c'est là où tout se joue et tout est. C'est ce qui construit ta foi, ma foi, notre foi et fait de nous une communauté, incha'Allah ta'ala. Dernier élément, on ne dit pas « Iyaka a'aboudou » ou « Iyaka » non. Ce n'est pas simplement « c'est toi seul que j'adore », c'est toi seul que nous adorons. Le sens de l'islam, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal en communauté parce que nous sommes une communauté, non pas ethnique, non pas culturelle, mais dogmatique et religieuse, on demande à Allah Azza wa Jal de rentrer cela dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos familles.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمنا يا رب العالمين ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق لا غيسيت هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.